Bonjour mes tutelles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'espère que vous avez aimé les calendriers de l'Avent jusque maintenant. Parce qu'aujourd'hui on va s'ouvrir à case 4 du calendrier Harry Potter. Voilà. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis ou famille. Tout ce que vous voulez, ça me ferait plaisir et en plus ça peut monter dans YouTube et voilà. Même si je fais pas ça pour être dans le premier game, c'est pas possible. Mais voilà, du coup on va s'ouvrir la case 4. Et elle s'ouvre comment la case 4 là. Hop. J'ai le petit sachet. Je referme. Bonjour, j'ai le petit sachet. On va découvrir qui se passe. Hey, j'essaie de voir mais je vois pas. Est-ce que vous voyez vous avec la lumière? Non, ça n'a pas l'air. On dit Shire. C'est un personnage. Et c'est professeur. Oh, je l'ai au bout de la langue. Je sais plus son nom. Professeur. Oh, je ne sais plus, mais il est trop bien fait. Professeur. Il est trop bien fait, j'aime beaucoup. Ouais, je suis très contente. Alors après, on va faire le jack. La case 4. Il y a 15 jours, je vais avoir du mal le 6. Il va falloir que je me lève tôt. Le problème, c'est que je peux pas boire ni manger le 6. Ça va être compliqué. Hein. Je vous le dis, le 6 ça va être compliqué. Du coup, je regarde. Oh, c'est un. Non, celui-là, il me semble pas l'avoir eu non plus. Ça doit être le nouveau Jack aussi. Oh, je sais plus son nom. Parce que j'ai cru qu'au début, que Jack c'était celui de l'année passée. Ça, je sais pas. Je pourrais pas vous dire le nom. C'est pas le celui qui travaille avec le professeur. Oh, comment il s'appelle encore celui-là? Moi, les noms, je vous le dis. Je suis une buse avec les noms. Mais il est trop bien fait avec son c'est une hache sur la tête. H, on voit bien la hache sur la tête. Voilà. Oh, je ne sais plus son nom. Pour le moment, on a deux beaux personnages. Alors, on va ouvrir ce qu'on est déçu. La case 4. Pas c'est qui. Oh, oui, non, on voit pas. Oh, c'est. Je sais plus son nom aussi. Celui-ci, ça a l'air mieux fait que l'autre. Voilà, si je. J'aime pas, je les donnerai à un enfant. Je sais plus les noms des Pokémon. Moi, je connais vraiment les bases quand je vois les noms sur les cartes. Oui, mais à part ça, je suis une bouche. Et là aussi ça a bougé, je sens que ça bouge. Du coup la case 4 des bonbons, je cherche après. La 3 elle est là. Donc, ici un truc à bouger. Elle est où la case 4? J'ai trouvé la 5 mais c'est pas celle-là qu'il me faut. La 24 non plus. La 23. La 12, la 6. Bah allez. Moi qui ai perdu quoi. Je vois pas la case 10 4 1. La case 4 elle est juste ici. Du coup on va l'ouvrir. Oh, il n'avait pas vu tomber mais bon oui. C'est parti pour un petit fruity. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Au citron, ça j'aime beaucoup ces feux là. Voilà. Pour ça, après on va faire le deuxième Pokémon. Le A4, elle est là. Dans le dernier lettre d'une Pokémon. C'est cool. Oh mon dieu. Je crois que celui-là il est vraiment raté. L'autre, les couleurs, ça peut encore aller. Si je
pense bien, il doit être. C'est pas Rondoudou, c'est Mélodelphe. Je crois. Rouge. Vous voyez pas, mais c'est rouge. C'est rouge comme mon t-shirt. Mon gilet. Mais c'est. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je suis déçue de ce calendrier de l'avant. On va s'ouvrir le Mickey. Qui on va voir aujourd'hui? Vous avez un. Allez, on va essayer de trouver. Moi je dirais bien Pluto. Non, c'est qui le Nigel? Pluto? Non, non, c'est Donald. Moi je voudrais bien Pluto. Allez, Pluto. Un petit Pluto. Je vais avoir faux, hein, mais. Et vous dites-le moi dans les commentaires. À qui vous voulez voir? Vous voulez tricher? Mais je vois rien. Je vais voir qui? C'est minuit. Oui, je pensais aussi à elle au début, mais je dis plutôt. Oh, elle est trop belle. On voit bien sa queue. Elle a un cadeau, son chapeau. Ils sont trop calés. Oh, j'aime beaucoup. Cette année, les personnages. Attendez, on va essayer de faire. Les personnages, ils sont trop bien faits. J'aime beaucoup. Je suis fan. Et maintenant, le dernier calendrier qui est en dessous de tout du coup. Ouf! Mon voisin va me gueuler dessus. Voilà, c'est le calendrier Yves Rocher que j'ouvre. Oh, il est trop beau, j'aime beaucoup. Il est trop joli. Vous voyez la cascade? Oui, elle est juste là. C'est une grosse boîte comme hier. Ah ouais, là c'est l'indice. Je vais pas trop vous montrer. Allez, oh, c'est un produit. C'est un produit. Je vais mettre là. Enfin moi. Mais allez, reste là. Je montre. C'est ceci. Du coup, c'est l'eau micellaire démaquillant de Renin peau normale et mix. Visa les yeux. Voilà. Pour démaquiller, c'est normal avec. Enfin, on n'a que des crèmes pour le moment, on n'a pas eu de maquillage. Et ça sent bon. Ça tombera bien. On pourra se démaquiller pour les fêtes. On aura du l'eau micellaire. Et en plus, c'est tout ce qui est bio, je pense. Oxygène et oxygène. Enfin, je vous montre. Des noms bizarres là. Ouais. J'aime beaucoup la packaging. C'est trop beau les packaging. Je me suis dit peut-être que j'allais le garder. C'est l'année prochaine, il n'y a pas quelqu'un qui veut me faire un mini calendrier de l'avant dans celui-là. Voilà. Voilà pour tout ce qu'on a eu. J'ai tout ouvert, je pense. Le Jack, on l'a ouvert. Harry Potter, on l'a ouvert. Le Pokémon, on les a ouverts. Ben ouais, on a tout eu. J'aime beaucoup la petite. Du coup, je vous demande comme tous les jours maintenant, quel est votre objet préféré? Bon, moi, ça parce que c'est utile. Et puis, ceci en figurine parce que voilà, c'est Disney et j'aime beaucoup Disney. Après, les deux autres sont beaux aussi. Et la gourmandise, c'est un petit bonbon. Voilà. Mais sur ce, voilà pour les petites ouvertures du jour. J'espère que la case 4 vous a plus. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la case 5. Voilà, sur ce, ce sera lundi et je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.